À tous, c'est Salgoz21. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, comme vous le voyez, donc sur l'iPad. Donc on va jouer à un jeu qui s'appelle Riptide GP2. Donc c'est un jeu, c'est un peu des jet skis du futur, hein, on peut le dire. Donc je sais pas du tout comment ça s'appelle. Donc on va vous présenter un peu le jeu. Donc moi j'ai un. Donc on va appeler ça des jet skis parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc on peut choisir nos couleurs, donc vous avez de l'argent, des étoiles. Donc pour par exemple débloquer des manches, comme on peut appeler ça. Donc vous voyez le nombre d'étoiles là. Et pour débloquer par exemple, donc là on a 70, donc il m'en manque une. Donc là par exemple il y a 21 étoiles. Donc moi là j'en ai 2 sur 3, 1 sur 3, 1 sur 3. Là c'est tout. Ah bah on va faire cette partie. Hein. J'ai cliqué dessus sans faire exprès. Donc là vous pouvez aussi jouer en bougeant l'écran, mais nous donc si on bouge l'écran on ne pourrait pas filmer, donc vous pouvez faire des figures. Donc là par exemple, voilà, hop, la plus belle figure qui existe, moi je pense. C'est pas pour me vanter que je l'ai fait. Vous voyez, donc là j'essaye un peu de tourner, c'est parce que j'ai l'habitude. Donc désolé si je joue pas très bien pour ceux qui connaissent le jeu. Donc comme ça c'est très dur. Donc là en fait vous avez un objectif, donc il faut faire le plus de points possible. Des fois je sais pas pourquoi. Désolé. Je sais pas pourquoi. Donc on fait par exemple ça. Et des fois il compte pas. Par exemple, donc là je me suis cassé la gueule. Par exemple, il compte pas. Donc c'est un peu chiant. Donc là je sais plus combien je dois faire. Je crois que je dois faire 1200. Donc il manque une petite figure. Donc là c'est bon. Voilà, donc là je pense que je vais être premier. Non, deuxième. Donc là deuxième, bah, c'est 2 étoiles. Donc vous gagnez pas mal de sous, 5000. Donc on va faire continuer. On va faire... Donc là vous avez le choix. Donc buy new. Donc vous avez le striker. Le deuxième. Le fireball à 48 000, donc moi j'ai 52 000. Le typhon, donc à 62 000. Le shockwave à 160 000, donc celui-là je pense que je vais me l'acheter, on verra bien, bah pas dans cette vidéo déjà, parce que sinon ça ferait une vidéo de 2 heures. Donc là vous avez Hammerhead, donc celui-là 240 000, vous voyez. Donc Manta, j'ai un peu pensé à la Raymanta, je pense que c'est pour ça, parce qu'il y a des petits comme ça. Donc vous avez Scorpion, le dernier, donc à 375 000. Donc là je pense qu'il est envoyé quand même. Voilà, donc vous avez les niveaux. Donc moi perso je suis niveau 14, donc vous pouvez mettre des nouvelles figures, acheter. Tiens, bah on va acheter celle-là, elle a l'air pas mal. Donc Mad Monkey, donc après vous avez des points comme ça. Donc, voilà, bye, hop. Pourquoi il veut pas? Ok. Donc vous pouvez voir vos stats. Donc, combien on a joué de parties en carrière. La longueur du saut. La distance qu'on a parcourue. Le temps de jeu, donc 2h32. Je sais pas comment dire. Désolé pour la qualité si vous n'arrivez pas à lire parce que c'est toujours une Galaxy Tab 3. Donc monnaie Hunel, donc ça c'est la monnaie qu'on a eu tout au long du jeu. Donc ça c'est les étoiles, là les points pour acheter des figures comme on l'a vu avant. Donc là les parties jouées en multiplayer, donc en multijoueur, en online. Donc j'en ai gagné 4, je suis allé sur le podium cette fois. Bah c'est pas trop dur parce que donc moi j'ai un bon jet. Et les autres, bah, ils ont le premier, donc ils vont pas très vite. Et c'est sûr, on est 4 à chaque fois. Donc ça, je sais pas ce que ça veut dire du tout, désolé. Je suis pas très bon en anglais, mais je pense que c'est déjà pas mal. Donc là, vous voyez les classements. Donc je pense que vous intéresse pas trop. Donc là, on va faire aucune carrière. Donc on va présenter un peu des niveaux. Donc là j'ai eu 10 sur 12, 13 sur 18.
là je vais faire celle-là. Donc celle-là en fait vous devez aller le tour, vous devez faire le tour le plus vite possible. Donc là vous avez une 5, une 8 et une 14. Donc on va essayer d'être à une 5. Donc moi je vais utiliser le boost dès l'entrée, comme ça permet de gagner un petit peu de vitesse au début. Donc, je préfère l'utiliser au début plutôt qu'à la fin. Voilà. Donc cette course n'a pas la particularité d'être facile, pardon. Donc, surtout avec ces commandes que je n'arrive pas du tout. Donc là ça m'étonnerait qu'on fasse une 5 parce que je fais pas des très bonnes figures. Donc vous avez des figures, par exemple celle que j'ai faite tout au début, donc la plus belle figure, elle nous rapporte toute la jauge d'énergie de turbo. Donc là, comme vous voyez, les figures que j'ai faites, c'est pas le cas. Voilà, désolé, j'arrive pas trop avec de jouer avec ça. Avec, donc en touchant l'écran, un petit peu chaud. Donc là, voilà. Donc, si vous aimez le jeu, n'hésitez pas à le mettre et je vous demande d'essayer en comme ça pour voir que vous allez constater que c'est un peu dur. Donc voilà, donc là j'ai fait une 7-0-2. Donc il fallait faire une 5. Donc ben, je pense que j'aurais fait des meilleures figures, j'aurais peut-être gagné. Donc là vous gagnez de l'XP à chaque fois. Donc là faut que je gagne une étoile pour débloquer le. Donc la World Cup. Ah bah non c'est bon. Bon bah on va essayer tout de suite. Donc là, oui, ah bah là, donc vous faites 58, 15 000 dollars. Donc c'est pas mal. Donc moi, je pense, perso, je crois que j'ai déjà testé ces cordes. Ça va, elle est pas mal. Donc là. Après, c'est logique, plus on avance dans les niveaux, bah plus c'est dur. Plus il faut augmenter les caractéristiques. Enfin, acheter des jet skis, quoi. Ouais. Après, vous pouvez acheter des améliorations. Oh, je vais vous montrer ça. Donc là, désolé, je galère un peu avec le... Comme on vous l'a dit, le... stick. Ouais. Ouais, d'accord. Je sais pas ce qu'il a fait. Donc là, on... Vous savez quoi? Vous voulez rouler la tête sous l'eau. Je crois que je vais la recommencer. Oh, non. Donc désolé si je joue pas très bien. Faut vous assurer que... Pour avoir... Pour être à un niveau comme ça, c'est assez compliqué. Après, moi, je me vante pas. Moi, je trouve que j'ai galéré pour arriver jusque-là. Donc, ce jet ski, il est à 100 000. Donc, après, il faut acheter des améliorations. Moi, perso, j'en ai... J'ai pas beaucoup d'améliorations, hein, franchement. Ah, mais j'appuie sur le frein à chaque fois. Donc ça c'est les freins. Ceux qui c'est moi. Donc là on va arriver, là j'ai fait n'importe quoi. Une 15, donc on va être je pense dans les derniers, voilà. Derniers. Oui. Donc je pense que c'est très dur. Donc on va voir combien il fait d'étoiles. Donc 72, donc il faut avoir 2 étoiles. Donc faire une minute. Donc on va réessayer. Et après, je sais pas ce qu'on va faire. Donc je vais essayer d'être au moins un troisième, ce serait bien. Parce que là, franchement, j'ai fait un score pourri. Donc, Ouais. D'accord. Le petit bug. Voilà, la belle figure, là. Après, on risque pas de faire ça en vrai, parce que lâcher le jet ski, perso, je le ferai pas. Voilà. Prendre des rochers. Voilà. Donc là, imaginez-vous. Donc là, ça, je pense qu'ils vont. C'est pas je pense, c'est ils vont vite. Hein. Quand vous êtes au turbo lancé comme ça, quand vous avez déjà de la vitesse, on va dire. Désolé, j'ai plus sur le point. Quoi. Ouais. Là, on va encore faire un sport de merde. Donc là, il fallait faire 58. Je sais. Oh. Je pense qu'il vaut mieux la recommencer la course là. Ouais, je sais pas. Pas vous faire non plus pour la même course. Donc là on va faire plus de
Donc là, on va commencer. Donc je vais vous montrer un petit peu le mode online, s'il y a des gens qui se connectent. Voilà. Vous pouvez inviter vos amis. Donc sur le Game Center ou autre, si vous êtes sur Android. Donc là, bah, je vais pas attendre plus de 3 minutes, hein, parce que sinon ça fera un peu long pour vous. Donc le mode online, donc, comme je vous l'ai dit, c'est toujours à 4. Parce que je pense que sinon des courses à 8, comme il y a dans le mode carrière, ça ferait un peu... Tout le monde se bousculerait et tout. Donc c'est un peu comme GTA par exemple, sur PS4 on peut jouer à 30. Donc je pense que c'est un peu bête d'avoir fait ça. Parce que bon, tout le monde se bouscule. Donc après je dis ça peut être marrant, mais voilà. Ouais, donc là... On va faire une petite pause et on revient dès qu'on a des joueurs. À tout de suite. Donc là, on se retrouve. Donc il y a 3 joueurs. Oh, il a quitté. Bon, on va continuer un peu de carrière pour vous montrer. Ouais, désolé, on n'a pas de chance, comme par hasard. Donc on va réessayer ça. essayer de m'appliquer. Donc là, c'est moi qui joue, parce que notre pote, il a pas ce jeu. Bah, pour tout vous dire, il aime pas trop. Moi, franchement, perso, je le trouve super ce jeu. Donc après, c'est votre avis. Mais... N'hésitez pas à dire sur les commentaires si vous aimez ce jeu. Et après, je vais vous dire un truc, si vous savez comment on fait. Parce que moi, franchement, j'ai pas du tout d'idée. C'est pour donc les learn skills. Donc, moi, j'ai toutes les figures. Donc, j'ai acheté le Jungle Gym, donc qui est la dernière figure. Après, il y en a... En fait, j'ai 5 donc, points de... Je me suis arraché la gueule. C'est le cas de le dire. Donc là, donc, comme je disais, donc on a 5 points donc SP. Pour, et la vidéo, c'est 4. Et il nous dit de débloquer un truc, mais moi, je sais pas ce que c'est, en fait. Je sais pas ce qu'il faut débloquer. Donc, du coup, c'est un peu embêtant. Donc, encore désolé pour la qualité. Donc là, on va prendre le virage. Donc, j'arrive pas trop avec le... Donc là, on s'est déjà amélioré par rapport à tout à l'heure. Je pense qu'on va être 3 4e. 5e. Donc pas loin, vous voyez. Donc là, on va la refaire, hein, parce que... Ouais. Ouais, je sais pas. Non, on va pas la refaire. Donc vous me dites si vous faites attendre dans les commentaires. Parce que moi, je la ferai bien, mais là... Le temps qu'on réussisse à avoir là, quelques étoiles. Faire, moi, j'aime bien les courses. Tiens, on va faire une course. Donc là, c'est... Cette course, ça va. Donc là, on peut pas parler trop fort, désolé, parce qu'il est un peu tard. Donc, tout le monde est couché. Donc, voilà. Donc après, on essaiera de changer. Je vous montrerai comment changer les couleurs. Voilà. Comment acheter des... Là, j'aime bien cette figure orbitale. Donc là, on va essayer de monter sur le... Je sais pas si on peut appeler ça un toit, mais c'est un genre de... Sur le côté, voilà. Je pense que ça nous fait gagner beaucoup d'avance sur le... Donc sur celui qui est en bas, si on se tape pas le poteau, bien sûr. Donc là, on est passé premier. Donc, je sais pas ce que c'est ce truc, mais quand on est premier, enfin, si vous prenez pas beaucoup d'avance, moi, il me double à chaque fois. Bah, voilà, c'est, voilà comme je vous l'ai dit. Donc là, c'est... Donc il y a 2 tours. Encore non, sinon j'aurais été deuxième, j'aurais été deuxième, j'aurais ragé. Ouais. Ça a dû faire mal au... Donc là, je trouve que je m'en sors pas mal avec les touches. Donc, désolé si j'arrive pas trop à faire des belles figures. Parce que pour faire des belles figures, il faut lâcher la tablette. Là, s'il la lâche, ben, vous n'allez plus rien voir. Donc, on va essayer de faire, voilà, petite figure, tranquille. Voilà, donc là, on va faire un front flip. Ouais, j'hésitais entre back flip, j'ai dit front flip, c'était ça. Oh, c'est bien ça. Pourquoi il y a un poteau, faut qu'on se le prenne. Il y a un poteau dans tout le circuit. Il est pour qui? Il est pour nous. Là on est troisième. J'espère que
Alors désolé, dans la vidéo, il y aura peut-être des petits contre-jours, mais... Donc là, on est troisième. C'est compliqué de faire parce que pour tenir la tablette et tout, pour... C'est chaud. Voilà. Donc là, on va... Donc là, je vais vous montrer comment changer les couleurs. Donc après, on se quittera sur ça. Donc là, vous pouvez gagner, genre... Ben, moi, j'ai pas Facebook. Donc vous pouvez... les follower sur Google+, sur Twitter, les liker sur Facebook et ben, acheter pour ceux qui achètent sur les stores. Moi, perso, j'achète pas. Parce que donc faut acheter des cartes, c'est un peu chiant. Quoi. Donc là, vous allez dans votre... Donc, vous pouvez changer. Moi, j'ai celui-là, 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 celui-là. Donc on va garder celui-là. C'est le plus rapide. Donc là, upgrade, donc vous pouvez acheter par exemple l'accélération, le top speed, donc c'est la vitesse maximale, comme vous l'avez compris. Ça, c'est les la je sais pas comment vous dire. Voilà, je l'ai acheté. Donc et le boost, donc pour avoir pour je sais pas si c'est pour avoir plus longtemps le boost ou pour pour qu'il aille plus vite. Franchement, je sais pas. Donc là, on va acheter une dernière amélioration. Donc 40 000, 40 000. Donc maintenant, on va pas en acheter. Ah si, celle-là. Donc top speed. Voilà. Hop. C'est fait. Donc là, comme vous voulez voir, c'est ouvert. Donc on peut acheter des nouveaux, comme je vous l'ai montré. Donc vous avez une couleur pour le... Vous pouvez choisir la tenue. Voilà. On va prendre... On va laisser celle-là. Donc la couleur du milieu, c'est celle la plus imposante, donc qui aura la plus présente. Donc là, on va faire, tiens, hop, couleur de la France, voilà. Et vous pouvez changer la couleur du rider, donc de celui qui fait du jet ski. Donc on va mettre, tiens, du vert comme ça, mettre du blanc. Donc, bah, je pense que j'ai pu tout vous montrer. Donc ça c'est pour les nouveaux jeux, je vous propose. Donc là vous avez le tutoriel pour se connecter, les crédits, ça ensemble. Donc les audio contrôle. Donc là vous pouvez changer, donc ça c'est en inclinant. Voilà. Donc pour changer la sensibilité, là ici, pour changer la sensibilité. Là vous avez audio, que on va pas mettre de son, que vous avez les graphiques, donc la résolution, je vais voir, je pense que ça change, donc comme ça et comme ça. Donc je comprends pas pourquoi ils font ça, parce que logiquement celui qui joue il va pas mettre comme ça, genre il a le choix entre ça et ça. Après, vous voyez pas bien parce que c'est la qualité de la tablette, ça change pas trop, mais en vrai, ça change Ouais. pas mal quand même. Donc je pense que j'ai bien un peu tout vous montrer, donc bon, on va se quitter sur une petite course. Allez. Donc, on va faire hop. Et on va faire celle-là. Donc là c'est une élimination. Donc je pense que si vous avez joué à Mario Kart, donc genre sur Wii U et tout. Donc vous pouvez avoir ça des fois, si je me rappelle bien. Donc en fait c'est tous les 15 secondes, il y a un éliminé. Donc par exemple si vous êtes troisième, vous allez être troisième dans le classement. Donc éliminé en avant-avant-dernier. Donc là on va utiliser Turbo pour les doubler. Donc là comme vous voyez, ça va être le premier, le deuxième éliminé, pardon. Donc là j'ai pas fait la figure. Ok, ah j'ai bougé. Donc là on n'a pas fait la figure. Là on va perdre. Donc on est sixième. Parce qu'on va... Oh non, on va pas perdre. Quelqu'un qui a respawn juste ici. Hop. On va prendre le saut, on va faire les bâtards. Donc là ils sont juste là, j'espère qu'on va pouvoir les lever. Là on va essayer de faire une belle figure. Hop, hop, hop. Non, on n'a pas fait de belle figure.
Kokiawata. Kokiawata. Ou Kokiawata, si vous voulez. J'essaie de les doubler, le groupe de deux. Donc là, c'est mon qui va être éliminé. Bon, bah, moi, je vous laisse. Salut!